dans le sens que chaque action qui un démon le fait et a une réaction. Chaque action qui nous fait et a une réaction. Alors, Bajalola nous dit à l'islam, c'est un dîme qui vient enseigner nous pour prendre toutes les précautions nécessaires afin que nos bonnes actions pas amènent dito à nous-mêmes, ni à nos communautés, ni à nos dîmes. Il y en a d'autres qui, parfois, sans que certains du monde soient réalisés, ben, action que je fais, ben, mauvaise action que je fais, ça, y amène dito à lui-même. Ou bien, y amène dito à sa communauté, à ma musulman. Par une négligence de ce corps, par pas servir l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous donner, alors parfois, il met lui-même des problèmes et il met la communauté des problèmes. L'islam, ce n'est pas un dîme qui nous réagit basant nous l'émotion. L'islam, c'est un dîme qui enseigne nous pour qu'il nous réagisse d'après Coran et Sunna dans n'importe quelle situation de nous la vie. Mais bien souvent, des fois, il y a du monde. Je dis juste l'intention. Je t'énorme bon l'intention. Alors, sans je guette, sans je calcule conséquences de ce bonne action, je t'aille de l'avant pour faire certaines magnifiques choses qui jettent l'esprit trop bon, sans qui je te réalise que c'est mon action que je vous fais là, ça capable amène dito à je même en premier, et il est capable amène dito la communauté. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec un exemple qui vient de traverser dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et un stand qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin prend, nous comprenons qui nous dit dans l'islam fin enseigne nous pour qui tout le temps nous guette un positif qui sort aussi depuis une action et un négatif qui capable sort aussi depuis une action, et là nous allons de l'avant. Même qui, quand nous guette action là en lui-même, il paraît correct, il paraît bon, mais si le résultat de cette action-là y amène plus beaucoup mauvais, définitivement, nous dit dans l'islam, qui est préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait pratiquer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-nous pour qu'il n'abstenir, nous reçoit des bonnes actions pareilles. Allah subhanahu wa ta'ala, lui dire concernant un parmi ben, action qui paraît bon, mais l'ipine empêche nous pour nous faire aller, pour dire qui ça capable d'amener. Allah dit, voilà, ta soubou l'adina yadrouna min dounillah. N'a pas jour, ben, qui peut être adoré à part Allah. Pas jour, ben, idole, pas jour, ben, kabar, ben, la croix, ben, n'importe quelque chose que du monde peut prendre, peut adorer, pas sous autres. Pas mal, Paul, ça mal, quelque chose. Mal, Paul, tout ce qui peut être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. En lui-même. Il est correct ou même à God. En lui-même, il est correct, oui. En lui-même, il est correct, oui. Parce que ça mal, qui peut être adoré à part Allah, là, je n'ai pas aucun pouvoir, aucune capacité, aucun mérite même. Pour être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui fait empêche même qu'il y a un imam pour qui je joue ou bien je mal parle même qui peut être adoré à part Allah. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala dire Fayasubbullah. En retour, ben qui peut adorer, ben fausse il a à part Allah là, en retour quand nous jouons. Je m'en fasse il a, en retour, garde, je vous joue Allah. En retour, je vous joue Allah subhanahu wa ta'ala, adwam bi ghayri, avec l'ennemité qui je t'ai là, sans connaissance, sans qu'il se pour agir d'après la connaissance, je vous, je vous, je vous, ben, il a, ben, fausse il a, qui pas mérité d'être adoré, je, en retour, je vous, jour Allah subhanahu wa ta'ala, les vrais ilahs, alors pour
grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour graviter des mauvaises actions, comme on dit pour jouer Allah là, Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche nous pour jouer banna, je ban idol ou bien tout ce qui est adoré à part d'Allah. Revenons à tout qu'il a dans Allah subhanahu wa ta'ala peut nous donner un principe. Principe là, il crée. Principe là, c'est n'importe qui action, malgré qu'il est bon, malgré qu'il voulait être dangereux, derrière ça, ou mal parler, ou jouer pour montrer du monde qui s'allie fausse, ou je te carré tout vers Ibarat Allah. Mais ça dit tout, qui s'est capable d'amener, qui je t'adore, je t'ajoute Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, fin, empêche nous, alors par ça, nous comprend, qui, quand nous peut faire une action, nous inquiète aussi sur conséquences. Ne pas juste aller l'avant quand nous trouvons bon, mais nous mettons en retour si ça n'est pas capable d'amener. Bandito qui est plus grave, définitivement l'islam empêche nous pour faire. Comme ça même, le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit envoyé pour 15 ban idol. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Arsalani bi sulatil arham, Allah finit envoyé moi pour mon jeune ban relation familiale, wa kasril awthan, et pour 15 ban idol. Wa an yuwahid Allah la yushrik bihi shay'a. La yushrik bihi shay'a. Et pour mot, adore Allah subhanahu wa ta'ala sans mettre aucun associé avec lui. Dans sa hadith, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui montre but qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fin avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi l'objectif principal qui fait Allah fin avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premier, c'est pour arranger bien familial, pour joindre ma famille, pour pas casser ma famille. Et aussi, pour 15 ban idol. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé pour 15 ban idol. Et pour adorer Allah, tout seul, sans être associé avec lui. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il reste dans Makkah pendant 13 ban années. Il reste dans Makkah pendant combien? 13 ban années. Et il finit envoyé pour faire ce travail-là. Pour 15 idol. Combien idol? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin crasé pendant sa 13 année. Quand nous retournons vers Sira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il y a zéro idole fin crasé. Zéro idole fin crasé. Alors si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fin crasé aucun idole pendant 13 années qu'il est ici dans Makkah, malgré qu'il finit d'être envoyé pour faire ça, qui fait la raison qui fait. La raison est simple. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est dans Makkah lui-même, ben, musulman, si t'en faible. Ben, musulman, si t'en faible, si c'est un moment-là, il s'écrase, ben, idole, qui soit, oui. Déjà, si déjà, il y a une persécution, bien, faux, l'ose, alors, ça, c'est capable d'amener plus beaucoup d'ito encore pour ben, ça, pour ben, musulman. Ça, c'est capable d'amener plus beaucoup d'ito encore pour ben, musulman. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas fin crase, aucun leader. Et ça fin continuer, jusqu'à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui fait conquête Makkah. C'est même quand il vient de Madina, ça continue comme ça même, il pas crase aucun leader. Quand il crase leader, après 21e l'année de ce dawa, là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a été crase leader. C'est-à-dire, pendant 21 bonnes années, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pas une case aucun idole, qu'il s'y gagne l'autre avec Allah, parce qu'il, ça va un moment-là, il n'y a pas encore une capacité pour faire lui. Quand il vient faire conquête Makkah, et qu'il va musulman, c'est eux qui paient contrôle Makkah, alors là, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait case tout bonne idole. Il fait case tout bonne idole. Qui fait? Parce que là, quand vous crasez sa manie de là, il n'y a pas même aucun qui était, aucun répercussion, non, man musulman. Au contraire, ça finit une victoire de man musulman, le man kafir, et ça finit plus pousse man kafir pour rendre dans l'islam. Finit plus pousse man kafir pour rendre dans l'islam. Alors, encore une fois, nous trouvons qu'il nous rassure Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré
il finit être envoyé pour faire sa grand travail là, pour craindre son idole, mais il pas fini pressé pour faire lui, il attend le moment que, quand il peut mettre ça, il va être là en pratique, pas pour une aucune persécution, l'oli et le mal musulman. Comme ça même, le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il finit enseigner nous concernant grandir des sœurs, ibadat, taqir, jihad. Mais, ça même Rasoul, pendant qu'il pégaye une persécution dans Makka, il finit toujours prendre patience. Et il finit toujours encourage les sahaba pour se prendre patience, malgré qu'il y a parmi les sahaba là, puis jeune avec l'amour, pégaye une persécution jusqu'à l'amour. Malgré ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin osé pour qu'il y ait la guerre avec les mouchriques pour défendre sa man musulman qui peut être persécuté jusqu'à la mort. Abordé par Abu Zubayr, désir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin passe quand Ammar ibn Yasir et sa famille pendant qu'il man là qui peut être persécuté à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa persécution-là, c'était pas jeune rôle, c'est quand même persécuté jeune, non. C'est à cause d'un amène iman. C'est à cause d'un amène iman ou Allah. À cause de ça, tout seul, il y a une persécution. Malgré ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il paye, parce que maintenant, moment qu'il se paye une persécution, il dit maintenant, Abishiru, ala Yasir. Oh, la bonne nouvelle, ô famille de Yasir, mawaidukumul jannah. Votre destination, c'est Jannat. Votre destination, rendez-vous qui nous donne Dieu, c'est dans Jannat le jeune. Ça même tout, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas fait à sa mouana. Ben, la bégaye persécution, ben, la pour être tué là. Ben, le koufar, peut persécuter Dieu, jusqu'à vous tuer Dieu là. Mais Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ça l'est là, il va finir, il n'y a pas de salam qui connaît le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un démon qui fait peur ou bien c'est un démon qui bien pour vous? Définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il était un homme qui bien fort et d'après ben Hadith, lui-même, il s'est plus fort que je tout. Lui-même, il s'est plus fort que je tout. Mais malgré ça, ce moment-là, quand sa bande musulmane peut être persécutée et qui, en général, bande musulmane est faible, bien faible même. Dans ma cas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le finzis, djewana, prend la bonne nouvelle, rendez-vous, djannat. Ça aime tout. Ça prend patience. Après, prend patience, pas qu'avoir fait non, rien là. Là, si nous sait lever la voix, si nous sait ben, aider pour sa besoin, finalement, c'est bande musulmane qui veut sa besoin, qui veut un plus pro. Problème, alors, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il calcule conséquences de son action avant d'y réagir. Ça, c'est réaction de man intelligent. Man, si l'esprit, quand je vous trouve ça, non, pas capable, qui, à cause du phénomène iman, pour persécuter là, pas capable, pour vous inquiéter, je vous lève la voix, je vous, à l'heure de la guerre, finalement, au lieu qui, je t'amène, un résultat plus positif, il va arriver là. Je vous amène un résultat plus négatif pour un musulman. Alors, l'enseignement de nous dit, il y a doute que tout ce bon événement-là, Allah subhanahu wa ta'ala, puis une personne prend place dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il y ait un musulman, je tiens les sons. Pour ne pas nous réagir, juste par l'émotion. L'émotion, ça l'est là pour ma famille avec Yassine, la cave. Pas capable, moi, tcha tcha, hein. Ben, la bête, il dit, moi, capable, tranquille. Non. Là, tcha-tcha, papa, frère, c'est n'importe qui s'en a qui peut être persécuté. Si nous venons de l'avant pour défendre ou bien pour être là-bas, nous aussi nous avons un problème ensemble avec Dieu. Est-ce que vous croyez? Il y a quelqu'un qui s'est plus content, Yassir, avec sa famille qui est prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a doute que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est content sa oumata, plus que sa oumata content lui-même. Mais malgré ça, c'est à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas capable de faire non rien pour Dieu. Comme ça même, quand nous sommes dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il y a un munafiq connu,
qui se fait dito Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et famille Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive un moment dans la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam que le ban sahaba demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permission pour qu'ils aient exécuté sa man munafiq là pour dito qu'ils ont fait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire? Pourtant, ban sahaba finit une fois. Ban sahaba tient une capacité pour tuer sa man munafiq là. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a qu'à quelle conséquence de sa action là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit da'ahu, quitte-le. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذا كتلي. إيه نبادن لوكاجو بانجمون. attention qui بانجمون. je cause qui محمد صلى الله عليه وسلم لتوي سبان compagnon. c'est-à-dire nous nous pétrons qui sa munafiqa me fait dito. Rasul صلى الله عليه وسلم est dit dans l'islam. Mais attention, qui, quand nous nous tuons, ça va être un cas de Jumullah, ban munafik la même, ban kafir, je t'ai interprété, et de façon, je dis, allez, raconte de ce lien, après, dis-tu, toi. C'est-à-dire, madame, vous dire, qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut tuer ce ban, propre compagnon. Alors, pour peiner sa kitchola, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui acceptait, malgré qu'il munafik la là, connu, malgré dit-on qu'il veut faire, prends patience, toi, qu'est-ce que en patience, l'eau, c'est qui ça? Tout ça, on dit tout, qui ça, mon Afrique, la paix. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'accord, pour prendre patience, l'eau, tout pas de mauvais, qui ça? Mon Afrique, là, t'as pas fait à lui. Et, sa famille, mais, pour qu'il dit mon, pas faire, pas cause mauvais. L'eau, dit dans l'islam, il est disposé à faire ça sacrifice. Mais, qui commence patience, nous, Rasul Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'itchéna d'or. Comme ça même, un premier événement dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est traité Hudaybiyah. Ça traité là, un traité qui, n'importe qui s'en a, qui connaît traité Hudaybiyah, il vous connaît, qui s'est traité là, il existe dans l'avantage ban kafir, ban mouchrik de Makka. À aucun moment, ça traité là, quand nous guettons, l'étude dans l'avantage des mâles musulmans. Quand fin arrive, c'est un moment que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin accepter ça traité là, de la part des mâles koufars, et qui, ben, sahaba, peut trouver qui ça traité là, lit dans l'avantage des mâles kafirs seulement. Lit pas du tout dans l'avantage des mâles musulmans. Alors, c'est un moment là, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, les rapports, dialogues qu'il fin gagné avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment-là. Alors, il dit, pour finir, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour finir, il dit, est-ce qu'il, ou pas le prophète d'Allah, véritablement, est-ce qu'il pas, ou pas un vrai prophète, ou? Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bien sûr. لجيرا ما فين جالي عمر رضي الله عنه فين جاء رسول صلى الله عليه وسلم اسكي سي با نو كي لو لا فيريتي اي نو با لانمي لو بوستي alors رسول صلى الله عليه وسلم في ريبوني بيان سور alors عمر جالي alors كي فاي نو بي غاي ديزونير دان نو دين كي فاي نو بي غاي ديزونير دان نو دين alors سا تريتي كي نو بي سيني افيك زوت لا لا نو بي اكسبتي افيك زوت لا لا لي دان دي زافونتاج دي مان مسلمان. C'est comme si un déjeuner dans le dîner. Ben, kafir, mais aussi gagnant, l'on s'est traité là. Alors, c'est un moment-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin d'yali, certainement, moi, les messagers d'Allah, et moi, pas désobéir à Allah. Moi, pas désobéir à Allah, et ni pour si pour moi. C'est-à-dire, là, nous comprenons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à travers Wahi, que Allah va vous amener, fin d'yali, accepter, qu'est-ce accepter sa traité là, malgré qu'il y a des avantages de la musulmane, c'est là, parce qu'il pas derrière sa traité là, après, qu'ils ont fini sa traité là, pour y avoir l'avantage de la musulmane qui vous venez après. Mais à ce là, quand était, tout des avantages de la musulmane. Mais après, il y en a d'autres qui, pour y avoir l'avantage qui vous venez.
على ما فين جي علي الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي عمر بيجي ما فين جي الرسول صلى الله عليه وسلم اسكي وباش جانو كي نبوبين كعبة إنو فيها ستواف إبي ريبوش الرسول صلى الله عليه وسلم باسكي زن شوتي لبي مدينة أبيك إحرام إن بين بين مكة وبين في عمرة على سامو مونا زن بين لا هدايبيا avant d'entrer, ben, nous sommes qui vivent en décision pour qui, en paix, ça va, musulmans là, viennent faire, Oumrah. Alors, vous payez dans la guerre, entre, ben, musulmans, qui viennent sortir avec le, avec le Tehram, et tout ben, musulmans dans le Tehram, et même Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pour qui payez dans la guerre là, en jeu, avec, ben, kafir, et qui, c'est à ce moment-là, nous comptons très bien, un petit peu, ben, sortir pour elle, faire Oumrah. Il prend un petit peu ensemble avec lui, pourquoi ensemble avec lui? Alors, à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait ce qui, ben, la fin, mettait dans sa traité-là. Alors, quand le fin dit ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous parlons de Fetawa, Makkah, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, bien sûr, mon Dieu, toi qui nous parle Makkah, nous faisons Umrah, nous faisons le tour Kaaba. Mais est-ce que mon Dieu, toi qui nous parle Côte Kaaba, ça l'année-là, est-ce que vous ne savez pas qu'il s'en année là même, nous voyons le Kaaba? Alors, Omar radiallahu anhu dit non. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement, tu peux venir le Kaaba. Et tu peux faire ce dawa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pindonni, une certitude qui, tu peux venir encore à Kaaba et tu peux faire ce dawa. Mais c'est moi, si c'est toi qui nous fais dire cela, mais tu peux faire dire après, mais là, c'est là, nous gagnons, nous sommes d'accord pour nous retourner sans qu'il nous fasse avoir, mais nous pourrions venir, Inch'Allah. Et comment nous connaît? Très vite, Allah subhanahu wa ta'ala, après sa traité là, Allah subhanahu wa ta'ala vient faire un musulman, vient faire conquête de Mecca. Alors, sa façon qui, Omar radiallahu anhu, vient guetter ça au commencement, il trouve que c'est il trouve désolé et d'humiliation pour les musulmans. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus vivant. Il y a l'avantage qui va les musulmans pour gagner hein? Après. Alors finalement, il prend patience sur là. Et vraiment, après ça, résultat finit positif pour les musulmans. Alors pour ça, qui est important, dans une décision qui va l'autorité musulmane prend pas fort, ben, du monde, pas que bien dans sa main de connaissance, hein? Alors, je trouve qu'il va nous la main, peut donner pas toi tes affaires. Mais, masné, qui Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il fait hijra, depuis meilleure place sur la terre. Meilleure place sur la terre, c'est quoi? C'est Makkah. Mais, Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, avec Ban Sahaba, il me disait qu'il meilleure place sur la terre, par quoi ça? Par le Madina, qui fait, hein? Parce qu'il y a une difficulté que tu peux gagner, quand je suis à Makkah, mais après, Allah Rabbi Amin qui vient faire sa patience qui se vient pas quitte sa meilleure endroit là, ça finalement plus bon résultat pas, ça finalement plus bon résultat pas devant. Comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ici, où l'est, reconstruire Kaaba pareil comme dans l'époque Ibrahim alayhi wa sallam. Dans l'époque Ibrahim alayhi wa sallam, Kaaba sur la porte tient en bas. Quand Kaaba sur la porte tient en bas, ça va être tout du monde qui est capable de rentrer. Quand tu fais la porte Kaaba vient là-haut, là, c'est là, faudrait ben, qui, paye en charge Kaaba, je donne permission, certains du monde pour capable de rentrer. Et normalement, ça qui voudrait rentrer, c'est juste ben, qui est dans l'autorité, ou bien ben, qui est dans, l'honneur dans la société, je qui gagne pour rentrer, point y était, même actuellement. Alors, la source, c'est là, on va ça, mais j'ai envie de faire ça. Mais il n'abstenir de ça. N'abstenir, pour récraser Kaaba, réarranger dans Paris, comme c'était à l'époque, Ibrahim alayhi salam. Alors, qui fait les films faire ça? Les films abstenir de ça, parce que, ben, musulman, tu fais, koufar, la Makkah, je te fais qu'en bas l'islam. Je te fais qu'en bas l'islam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il paye attention, quand vous crasez Kaaba, qui, maintenant, je suis bien attaché avec ça, finalement, je suis étonné d'une journée avec Dieu, et je te renonce, que je te renonce, c'est ça. Aborté par Aïcha, radiallahu anha, disait, les mots, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi, oh Aïcha, si ton peuple, pas tu fais que délaisse un djahiliya,
C'est le peuple, c'est un habitant Makka. Si tu vas faire des laisses à l'Jahidiyya, moi tu vous ordonne pour craser Kaaba, et ensuite, moi tu vous ajoute dans l'île ce qui va là faire une récit à Delhi, et moi tu vous colle avec la terre, ça veut dire que vous descendez en bas, moi tu vous mets dès la porte avec lui, un dans l'est et un dans l'ouest, pour ça, moi tu vous atteindre la fondation d'Ibrahim alayhi salam. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est envie de faire, Kaaba descend en bas, mettre de la porte avec lui, pour qu'il m'en dise, facilite ce que vous êtes fait, elle rentre dans Kaaba, vous êtes fait avance, et il s'est atteint, fondation d'Ibrahim alayhi wa sallam, pareil pour Ibrahim qui a rangé. Mais, finalement, il finit abstenir de ça qu'il fait, parce qu'il, ben, arabe, tu fais qu'en bas, ben, arabe, tu fais qu'en bas, c'est ça. Pour ça même, Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fait une empêche pour donner ben, du monde difficulté pour tous Al-Hajar al-Aswad. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fait une adresse avec Omar radiallahu anhu, il dit, oh Omar, tu es un homme solide. C'est Omar radiallahu anhu, c'est un homme qui est bien solide, bien bel, costaud. Alors, un coup de boubini, si du monde, écoute, Hajar al-Aswad, il bouscule par ici, bouscule par là-bas, il rentre, il se fout pas mal, regardez. Je ne peux pas embrasser Hajar al-Aswad, n'importe qui me manque. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, pas presse personne dans la foule contre Hajar al-Aswad. Et si il y en a quelqu'un qui est dans la foule contre Hajar al-Aswad, toi, tu ne peux pas rentrer avec la force, tu pousses d'autres de rentrer. Parce que pour qui te faire du tour à man qui fait. Parce que toi, tu es fort, il est normal, tu as la force qui te fait, tu peux pousser, tu peux rentrer. Maintenant, pour avancer, alors, pas servir de la force pour faire du tout, ben, qui fait. Si tu trouves les libres, tous les. Sinon, debout en face de lui, fais tahlil et fais takbir. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis en paix, Omar radiallahu anhu, pour lui pousser, pour lui bousculer ben, du monde, pour lui faire du tout, ben, du monde, afin qu'il y mette sa sunnette là en pratique pour lui embrasser Hajar. Hajar al-Aswad. D'autres jours, quand nous venons de Hajar al-Aswad, qui le trouvait? Le trouve, Zis Bandimoun peut risser, peut pousser, peut rentrer. Et ce qui est plus vilain alors, le trouve, ben, madame peut rentrer en banjom, peut frotter pas ici, peut frotter pas là-bas. Zis qui vient, qui a envie, embrasse Hajar al-Aswad. Il y en a d'autres qui, Hajar al-Aswad, il y a une ibadat pour l'embrasser. Mais est-ce qu'il, ça ibadat là, comme ça, il y a un pilier, ça, dans le dîme qui nous obligeait à embrasser. Non, il n'y a pas un pilier. Est-ce qu'il y a une grande obligation? Il n'y a pas même une obligation. Qui était ça? Un seul, non? Une recommandation. Est-ce qu'à cause d'une recommandation, nous accepter pour aller faire une chose qui est haram, qu'il soit au pouce du monde, ou bien du monde, ou bien une madame frotte avec le nourricier, tout sera haram, pas haram. Tout sera haram. Alors, comment est-ce qu'on fait un petit chose qui est haram à cause d'un sunnah? Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur parole nucléaire, qui si on a fait un petit tour pour mettre un sunnah en pratique, pas fait aller. Pas fait un petit tour, là. Malgré qui, on va s'adresser à soi, un mot action. Mais il n'empêche pour faire sa mot action-là à cause, on va faire sa mot action-là, il y a un petit tour qui vient faire. Pour ça même, l'île à l'islam, c'est un dîme qui fait montrer nous, pour nous empêcher le mal. Mais, pour empêcher le mal, Allah Rabbi Amin, il fait mettre une condition. Condition, c'est quoi? C'est faudrait une incapacité. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man ra'a minkum munkaran, fal yughayyirhu bi yadihi. Celui qui trouve un, le mal, qu'il est censé pour se l'arrêter. Ben, il n'a pas statué, si tu n'es pas capable. Quand nous disons si tu n'es pas capable, il n'y a pas les seuls qui nous prennent la capacité physique. Mais parfois, nous sommes capables de la capacité physique, mais seulement si nous faisons ça, ça permet du tout à nous-mêmes, par exemple. Je ne peux pas empêcher mon ami. Mais seulement si nous faisons ça, moi, étant un individu dans la société-là, ça capable amène beaucoup de temps à moi-même et à ma famille. Alors, vous savez, je ne suis pas capable.
c'est un mot qu'on considère comme « ben qui pas capable ». Alors, ça partie-là, comme tout le monde l'a expliqué, c'est pour « ben qui a l'autorité ». « Ben qui a l'autorité », c'est « ben qui a l'autorité ». Pour les sens d'une petite chose, et les capables de changer avec cela, mais les sens. Vous rentrez dans la case, vous êtes tout petit film. Et où vous êtes dans la maison, vous avez la capacité pour être intelligent, ou vous avez la capacité pour être intelligent. Ça, vous avez la capacité pour être intelligent. Alors, si vous êtes capable de changer avec cela, mais vous changez. Où vous êtes petit frère dans la case. Tout votre grand frère, puisque ou papa ou maman, tout, je tout pour get film. Est-ce que ou petit frère ou quand vini, je tout pégéter, ou vini ou taille, à l'époque, je ou capable faire du chien. Après, m'en avait allumé. Ou retaille, m'en avait allumé. Allez, allez, voir, ou là. Un seul coup de voir, ou là. À l'un petit moment, ou trop, m'en avait pour en haut, mais tout de haut. Alors, dans ce cas-là, si vous payez une incapacité, parce qu'il ou pas, il n'a l'autorité, alors, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fini de mettre l'obligation qui va venir fort de l'ONU. Mais il dit, fais une administrateur, s'il n'est pas capable, pas milisani. Alors, avec cela langue, il change avec cela langue. Est-ce qu'il y a des mal changé par la langue? Même moi, je dis, hé, t'es ça. Comment me dire, t'es ça? Il finit t'es? Il dit, t'es? Manaka, écoute-moi, il t'es? Mais il dit, pas t'es? Mais tandis avec la main là. Dis-tu vous enlever, pas vous enlever les mains là. Avec la main, tu vas enlever. C'est le premier là, le premier stade là, ça y enlève même ça. Il enlève les mains là automatique ça. Alors quand on n'est pas capable, vous servir un deuxième moyen, c'est où vous servir ou la bouche, ou la langue. Alors quand vous servez ou la langue, il est capable d'enlever, il est capable d'enlever. S'il est enlevé, alhamdulillah, s'il va enlever, vous n'êtes pas capable de t'aider. On finit d'y aller. C'est-à-dire, malgré qui, les mal-là pas fini d'enlever, on fait au dépôt, on fait au dépôt. On fait au dépôt. C'est-à-dire, ça, c'est une capacité. Pas une administrateur, si ça aussi, il n'est pas capable. Même, il n'est pas capable, causer, s'il est causé, il dit, ah, ben, si t'en sur une famille, ben, qui est fait, bruit. Alors, s'il est causé, il y a un, deux, trois calottes. Alors, finalement, il préfère pas causer, parce que, il ne l'a causé ni gagné calotte, c'est libre causé. Libre gagné, calotte, alors vous ne pouvez pas gagner calotte, mais hier, il dit, ah, mais ça ressemble pas à un gênant, hein. Malgré ça, là, dans ce léquier, au moins, il y a un dégoût pour ce qui peut arriver. C'est-à-dire rentrer, il n'y a plus la capacité, ni pour t'aider, ni pour dire, ben là, t'aider, mais seulement, dans ce léquier, il y a un dégoût pour ce qui peut dérouler, ou à faire un lika. Attends, full iman. Ça, c'est, plus bas, iman qui plus faible. Ça, c'est iman qui plus faible. Dans ce hadith-là, définitivement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut montrer-nous que si nous sommes incapables de sans un iman, alors, Allah n'a pas fini de mettre sa foi au-delà de nous. Allah n'a pas fini de mettre sa foi au-delà de nous. Malheureusement, beaucoup de monde n'a pas encore compris ce hadith-là. Je t'ai interprété par ce propre esprit, alors je ne pensais, même je peine à l'autorité, même je peux la capacité, je bise même faire aller. Après les là, je mets même et je mets notre famille dans difficulté. Alors qu'on a d'autres qui ça a des ça, des clairs, qui énormément de monde qui peut dans sa capacité là. Après ça, qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite il dit fait la meilleure structure. Si pas capable, il est déjà si pas capable. C'est-à-dire pas tout le monde qui a l'autorité pour capable empêcher les mal. Quand on a l'autorité, on empêche avec la main. Si vous n'êtes pas capable, là avec la bouche. Avec la bouche là, il est capable d'enlever, il est capable d'enlever. Alors, c'est pas que ça tout le mal. Si il trouve qu'il y a la capacité pour empêcher ça avec cela, mais sans qu'il sache pour y avoir une répercussion. Hein? Non plus, moi, l'empêcher le mal, après, le tour de la police, il peut prendre moi, puis aller. Alors, ça, jamais l'islam, puis nous enseigne-nous pour nous mettre nous propre, la vie en danger. Si nous pouvons faire sa qualité. Ben, nous voilà, on peut s'accorder les mal, là. Et que finalement, la police, pour pouvoir parler, ma famille, j'ai un rôle d'avocat, pour tirer mal au cochon, finalement, pas gagner un cochon, mal fermé. Alors, nous, ma famille qui gagne des difficultés, ça, l'islam finance à nous, pour agir de cette façon-là, définitivement, non. Si mon femme est capable avec moi la main, avec moi la bouche, pas cause avec du monde, là. N'importe qui, les mal, les capables, faire mon cause avec lui. S'il est bon, alhamdulillah.
Si ben comprend, est-ce qu'Allah Rabbi Amin, une médecin dévore? Non, tu as besoin de faire comprendre. Tu as besoin de faire arrêter avec ça les malades. Non, nous dévore, c'est que c'est en plus. Man dit bon, si je peux assister, alors Allah Rabbi Amin, il dit que qu'il peut faire avec je. Man grand grand prophète, tu viens dans la terre pour faire d'awa. Dans ce peuple, obéis à je. Qu'est-ce que tu veux faire? Je commence à prendre du bois, je même prends le bâton. L'autre, allez, salam, il se fait face avec un peuple, sodomie. Hein? Maintenant, tu peux regarder. Tu approches Banjom, tu approches Banjom. Alors, quand l'autre, allez, salam, peut faire d'avoir avec eux, je peux continuer de désobéir. Qui le fait, là? Il y a 11 minutes, il me dit, là. Il dit, allez, nous tapons, nous commençons à battre. Non. Il finit faire ce débat. Jusqu'à ce qu'Allah le voit, mais il finit avoir son punition, là, l'autre. Alors, connais qui? Allah Rabbi Amin pas fin mettre ça fort de la lolo pour nous al pini ban manjibon. Oui, dans un l'état islamique, l'état capable pini manjibon. Mais individuellement, est-ce que l'islam finance un manjibon pour je prends correction dans notre armée? Jamais. Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam, jamais ne fin permettre n'importe qui s'en a parmi les sahaba pour qu'ils je prends la loi dans notre armée. Parce que si, du monde commence à prendre la loi de notre armée, et les programmes qu'ils veulent mettre charia en pratique, mais là, d'autres qui sont quand même beaucoup du tout à l'islam. Chacun peut venir pour tuer du monde, il y a même tout dit, parce qu'il fait jouer à Allah. Et là, comment pas prouver qu'il fasse jouer à Allah? Un jour, il fait un crime, après il dit, mais non, il fait jouer à Allah. C'est lui qui joue à Allah qui va faire aller. J'ai tout dit, moi, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Ou bien je joue au prophète. Alors, moi, tout dit. Mais finalement, qui va arriver? Ça vous mène un désordre, pas vous mène un désordre. Ça vous mène un désordre dans la société. Alors, définitivement, l'islam pas autorisé ça. Et la loi charia, c'est pas une loi la sainte. La loi charia, c'est une loi, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, quand on applique la loi charia, l'orateur, il amène beaucoup de bien. Il n'y a pas même du tout. La loi charia, quand on applique l'orateur, il amène du bien. Mais quand on applique la loi charia, c'est faudrait maintenant une autorité islamique. Faudrait maintenant une autorité islamique. Et ça qui applique la loi, ça qui induit, non. Celui qui vous applique la loi, c'est l'autorité dans lui-même. Et avant, on applique la loi dans la charia. Ça dit, il y a beaucoup de conditions. Avant, il applique, avant, applique la loi. Dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un sahaba, il peut reconnaître lui-même qu'il est fin commettre zina. Il vient dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est d'accord qu'il est commettre zina, très bien, il est d'accord qu'il est commettre zina. Allez, venez, nous purifions toi, nous rapides toi, non. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, capable de te dire, Jésus avec lui, Jésus, embrasser, etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut donner tout bon sens pour que pour lui saper. Pas comment il vient, il n'accepte qu'il nous commette zina, il vient, de l'accepter, il nous l'a fait. Non. La source ensemble, il peut dire, tiens, peut dire, pour qui? Il a allé, il a fait tort au banc. Mais finalement, il peut assister qui, non, il ne commette ça, et il a envie de purifier. Et là, finalement, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il applique la loi sharia loi. Aujourd'hui, du monde, parfois, je peux prendre certaines vidéos, pas qu'on n'est pas vrai, même c'est pas des fausses, ou bien certaines actions qui, pas qu'on n'est pas, une PLI, ou bien pas une PLI. Hein, on peut finir à plat, on peut appliquer la loi là, pas, bon, définitivement, ça c'est des autres qui l'islam n'a pas autorisé. Ça c'est des autres qui l'islam n'a pas autorisé, et c'est pas application de la charia, ça. Ça, c'est, man, petit esprit, qui applique la loi pour aux autres, la tête. Ça, c'est pas, applique la loi charia ou la terre, ça. Et là, du monde peut content, quand, peut dire, je suis content, peut appliquer la loi charia. Qui est la loi charia? Est-ce que la loi charia, c'est des autres? Si Kafir croit, pas le croit, ouais, qui ça, c'est, peut appliquer la loi charia, ben, quand même, je mets l'islam là, qui est déjà sur la loi. Comprend des autres, ça? Comprend l'islam, c'est un dîme qui veut dire, on va là-haut, qui peut n'en qu'un autre là-dedans? Définitivement, non. L'islam, alhamdulillah, selon la loi, lit correct. Et c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala, et derrière ça, la loi là, et la sagesse, définitivement, c'est pour nous appliquer comment Allah va voir même financer pour nous appliquer. Si nous pouvons, sans ce contexte, définitivement, nous pouvons même plus beaucoup dire, dit-on. Comme ça même,
L'islam fin empêche pour nous révolter contre l'autorité musulmane. Et qui a été révolte puis empêché là? Rapportez pas, vous avez vu Ibn Yaman dire, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis dire, après moi, prenant Mansef, l'imam Mansef, qui va poursuivre mon guidance, et pas pour moi d'après mon sunna. Pas poursuivre mon guidance, et pas pour moi d'après mon sunna. Et prenant Manjimoun parmi Banna, qui pour l'éveil, Manjum, qui je te l'écrire, c'est l'écrire Shaitan, dans cette l'écho, je me sens dans l'écho, insane. Alors, mon fils demandé, qui m'a besoin de faire si mon jeune est à l'époque-là? Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, puis répond, tu as besoin d'écouter et obéir les amirs. Tu as besoin d'écouter et obéir les amirs. Même s'il y bat toi, l'autre les dos et l'y arrache le divin. Qu'est-ce extrême? Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, peut causer l'autorité musulmane, qui si tant je fais je serais dévié depuis sur l'autre Moustachim, si tant va être jeté dans un mauvais danger, je ne commence que de, je ne commence, ouais, je commence un Satan dans les corps du monde. Je commence un Satan dans les corps du monde. Et si tant je vais faire, dit-on, ben, du monde, c'est quand même, je suis capable de battre ça du monde là, pour n'en rien, je vais rassurer du bien pour n'en rien. Malgré ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut conseiller? Elle dit, non, nous, vous avez, je guette nous, préserve nos richesses, nous besoin de préserver nos légaux, alors nous lever, nous soulever, nous faire soulever. Non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as besoin d'écouter et obéir à ton amir. Là aussi, vous apprenez patience, l'eau, ça amir. Là aussi, vous apprenez patience, l'eau, ça qualité amir. Mais on dit, ça m'a une qualité haditha, mais ça haditha pour le sang musulman. Ça m'a une qualité haditha, ben, qu'il y a 10 ans khawaris dans eux. Maintenant, 10 ans, ça va aller dans eux. Ça va en cas de hadith, là. Je vous comprends? Ça va, je vous comprends. Après, je vous dis, oh, je suis courant de sunna. Après, je vous dis, oh, je suis que des courants de sunna. Mais ça va en sunna, là, tu vas trouver. Man sunna, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, paye mon père pour pas sortir contre l'autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quand sortir contre l'autorité musulmane, il y a même plus beaucoup de titres. Et c'est ça qui nous fait témoigner quand, dans plusieurs pays musulmans, Banna fin révolté contre l'autorité. Qui ça fin amené? Il n'amène plus beaucoup de bien pour ce même pays-là, ou bien il n'amène plus beaucoup de tout. Ce même qui, tu peux cause, misère descendre au ciné, misère révolté, misère l'autre. Quand je trouve que vous allez commence à venir d'un problème, je commence à aller dans un jeu. Je commence, et non, mais dire, pas moi, ça dit ça, commence à voir tout, l'autre camarade. Si c'est une période-là, ben, du monde, tu peux écouter ce qui va nous l'aimer, qui le sunna, qui stable le sunna, puis une conseil les autres pour n'avoir pas sorti. Et, en suivant qui était, je désire que je dise à ma fatwa-là, ou bien en suivant ce qui est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, puis l'enseigner. Mais, quand du monde met sur l'émotion par divan, ce désir par divan, voilà le résultat. Voilà le résultat, comment, ben, un pays musulman fait une réquidée, pas juste désobéir, c'est qui? Ben, l'oulama, qui le sunna, fin, enseigner. Après, il y a du monde pour me dire, oh, nous aussi, nous sommes sur le courant sunna même. Nous aussi, nous sommes sur ce qui s'arrabat. Ce qui s'arrabat, qui enseigne comme ça. S'arrabat, fin, enseigne, pour sortir contre l'autorité. Il y en a d'autres qui, ça, c'est, ben, qui est une maladie khawaris dans eux. Alors, finalement, au lieu qu'ils ne t'amènent plus beaucoup. Mais bon, résultat, pour un musulman, ils ne t'amènent plus beaucoup de titres à un musulman, parce qu'ils n'ont pas calculé les conséquences de cette action. Mais ben, on l'a on va donner une fatwa. Ben, on l'a un vrai alim, on va donner une fatwa. Je calcule les conséquences de ce manakchou-là. Et là, je donne une fatwa parce qu'il pour eux, 10 ans musulmans, c'est une chose sacrée. En moi qui 10 ans musulmans, une BSC, je te guette bien, en moi je donne une fatwa. Et qu'on est qu'il n'y a pas qui s'en va, qui donne une fatwa, une fausse fatwa, et qui à travers cette fausse fatwa-là, 10 ans musulmans, une BSC, définitivement, le jour du Riyama, je vous ai rencontré pour tout savant 10 ans qui fait une bien c'est là, et tout man qui serait d'accord avec ça maintenant, peut-être que si je prenne un port ensemble avec Zolan Alim qui se suit, et je vous ai rencontré bon pour tout savant 10 ans qui savant musulman là, fin, être bien c'est. Comme ça même, faudrait pas une personne ni exposer à une difficulté. C'est-à-dire, c'est une chose ou pas capable,
ou pas à exposer pour ou mettre nous-mêmes dans la difficulté. Rapporté par Hudhayfa radiallahu anhu, il dit, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faudrait pas un mu'min l'humilier lui-même. Alors, on a demandé, comment l'humilier lui-même au Rasulullah? Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يتعرض من البلاء لما لا يطيقه يكسبوزي على une épreuve qui n'est pas capable de tenir يكسبوزي à une épreuve qui n'est pas capable de tenir alors faudrait pas ou elle rentre dans quelque chose qui après ou pas capable de tenir ses conséquences alors avant on rentre dans n'importe quelque chose ou besoin qu'elle tienne ses conséquences attention qui ou elle met tout dans un cas de difficulté finalement ou pas capable de tenir Là, là, ou pas blâme, ou pas blâme ou dîne, ou pas blâme ou dîne, mais ou besoin blâme ou besoin blâme ou même. Alors ça, c'est quelques des événements qui finissent arriver dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner nous pour nous réagir, afin qu'un musulman, quand bébé, il doit être Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours calcul. Conséquence de son action et de ne pas mettre lui-même en danger, ni de mettre sa famille en danger, ni de mettre la communauté en danger. Il y en a d'autres qui, une action qui vous met ou tout seul en danger, ni moins grave qui vous met ou dit en danger. Ben, du moins, il peut servir, il peut faire une qualité quelque chose et il peut pas ça le nom de l'islam. Mais l'islam qui n'enseigne pas pour faire ça. Finalement, il ne peut pas faire du tout du tout seul, mais il peut faire du tout que Il veut faire du tout, dîne à l'islam, et ça, définitivement, il est plus grave, le côté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala, lui aide nous tout pour nous calculer les conséquences de nos bonnes actions avant de nous aller d'avant, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours fait nous faire bonnes actions, qui nous approche nous auprès de lui, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous restreindre depuis bonnes actions qui pour éloigner nous de lui, et qui ça, lui permet de mauvais résultats, lors nous-mêmes, et nos communautés, qu'Allah Rabbi Amin, lui protège nous contre tout mal négatif, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui montre nous la vérité vraie, et lui aide nous pour suivre la vérité, lui montre nous fausseté fausse, et il fait nous rester loin de mal fausseté, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala parle de nous pour tout mal manquant qu'il y en a dans nous, et lui aide nous pour nous tenir ferme, nous se dire, c'est là qu'il a mort, qu'il en a avec nous, et lui récompense le tout par Jannah al-Firdaws, wa qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.